village en quelques mois. Le courage a repris ses droits. Dans les lagunes et sur les fleurs, on voit glisser les barques neuves. Des milliers de fleurs parfumées s'amoncellent sur le marché. Les brahmanes ont béni le seuil, les maisons de famille en deuil, que les pêcheurs ont rebâti, et puis les arbres ont refleuri. Voilà, on n'a pas oublié cette tragédie qui a connu cette région du monde. C'était une tragédie, le tsunami, il ne faut pas l'oublier. Mais ce qui était extraordinaire dans cette tragédie du tsunami, c'est que la troisième vague, qui était aussi impressionnante que les deux premières, c'est une vague de solidarité. Elle s'est levée depuis le monde entier et nous a donné l'impression pour la première fois que l'humanité était un seul peuple. Tout le monde s'est rapproché de tous les gens qui avaient souffert et l'aide a été colossale, elle a été énorme, la solidarité aussi. On va accueillir maintenant quelqu'un pour qui tu as beaucoup de tendresse. Il y a un duo avec elle dans ton album Fragile qui nous vaut ta visite aujourd'hui. Voici Véronique Sanson. Véronique va se mettre ici. Voilà. Alors, c'est une rencontre qui a eu lieu, je crois, au Francofolie, à La Rochelle, en 94. Absolument. Et là, tu as vu tout de suite qu'il appartenait à ta famille, lui. Hein. Mais oui, encore plus que ma famille. J'ai commencé à lire ses paroles. Et je crois que même sans musique, il pourrait faire un livre. Je viens de voir tout ce que tu as fait dans ta vie. Je suis verte que tu aies connu Brassens, alors que je ne l'ai pas connu. Il a connu Brassens, là, ils ont chanté l'orage, et Brassens s'en est jamais remis. Dis-moi, il y a un duo sur cet album ? C'est pas tout à fait un duo, en fait c'est une collaboration. C'est une collaboration musicale. On a écrit ensemble avec Véro la musique d'une chanson. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé toute une soirée autour de son piano, et... On était à quatre mains, elle jouait un bout, puis quand elle arrivait au bout et qu'elle n'arrivait pas à trouver la suite, moi je reprenais le relais comme ça, et c'était incroyable. C'est une chanson qui est un hommage à Véronique. Et c'est devenu un hommage à Véro à partir du moment où c'est comme ça que je l'ai compris. J'ai pris la musique qui et nous a fait voler Siou en déposant sur ton tempo des oasis en plein désert et des printemps pour tout l'hiver. C'est extrait de Sur le clavier du grand piano. Oui. Tu veux bien regagner la scène. Et pour la première fois, je vais la chanter à Véro pour lui rendre hommage. Et regarde bien Véro, parce qu'il y a une petite surprise qui t'attend. Wow. Dans le silence de la nuit, je vois se dérouler ta vie sur un vieux film en noir et blanc, avec ta sœur et tes parents, dans ce bonheur en harmonie. Leur voix te parle sans un bruit sur ces images un peu fragiles, temps où tout semblait facile. À quel instant le film se casse ici, alors que tout semblait écrit. Vers quel tumulte et quelle frayeur depuis aura pu t'entraîner la vie. J'ai toujours fait là où l'amour t'attire, vers le meilleur du pire. Tu veux t'enfuir là où l'amour t'aspire. Ouvrir tes ailes où le désir t'appelle. Sur le clavier du grand piano, une musique et quelques mots
ont dessiné ta vie entière avec tes ombres et tes lumières, de tes amours inachevés. Tu fais des images enchantées qui nous emportent avec douceur dans la violence et dans la peur. À quel endroit est-ce que tout casse un jour quand tu voudrais parler d'amour? Et peu importe de brûler ta vie comme un enfer au paradis, tu vas partir là où le feu t'attire. T'enfuir et ne plus revenir, toujours partir là où l'amour t'aspire. Quitte à souffrir, tu dois toujours t'enfuir. Entre les rires et les sanglots, là où ton cœur cherche ses mots, il reste tant d'amour à dire et de musique à nous offrir. Tu nous as fait voler si haut en déposant sur ton tempo des oasis en plein désert et des printemps pour tout l'hiver. Dans le silence de la nuit, je vois se dérouler ma vie, en rubané comme un cadeau, sur le clavier du grand piano. Tu dois t'enfuir là où l'amour t'attire. Tu dois partir et ne plus revenir. Ouvrir des ailes où le désir t'appelle. Tu dois le jour t'enfuir. Sur le clavier du grand piano. Chanson et son fils Christopher Steele. Bien, Christopher. Voilà. Le secret avait été bien gardé. Véronique Sanson, je vous l'assure, ne savait pas que son fils viendrait lui mais faire non. cette surprise. Le fils de Véronique. Chris. Voilà. Chris. Bonsoir. Christopher Steele. Voilà. Jules César de la comédie musicale Cléopâtre de Kamel Walid qui sillonne la France, qui revient à Paris. On l'applaudit aussi pour ça. C'est gentil, merci. Je voudrais dire, vous aviez été accompagné, il faut le signaler, par Gilles Biotot et Angelo sur solo au piano. Je le dis, il faut le dire d'autant plus que c'est une vraie aventure musicale avec ce spectacle d'aujourd'hui où pour moi la musique est comme libérée et elle est d'autant plus riche que j'ai rencontré Gilles et Angelo et que c'est un bonheur de jouer avec eux. C'est très sympa, en tout cas, ça fait très plaisir de faire une petite surprise à ma mère à la rentrée. Il y a plein de tout qui recommence là et voilà. Véronique, finalement, c'est lui l'homme de ta vie. Non, c'est un peu l'homme de ta vie. C'est le plus merveilleux, le plus merveilleux auteur, compositeur et fils. Oui, je sais. C'est un merveilleux fils. Alors, tu l'as vu bien sûr sur scène, tu allais le voir dans la comédie. Oui, deux fois. C'est une belle aventure, ça. Vous sillonnez la France. Non, oui, on a fait toute une tournée pendant 3 mois. Avant l'été, et puis là on reprend, on commence avec Bruxelles et on re-sillonne toute la France. Le 14 janvier, vous revenez à Paris.